yango yo, ngonga kosala kimia yango yo, ngonga kosala kimia yango yo, boko yo, bongo, ngonga kosala kimia yango yo, ngonga kosala kimia yango yo, ngonga kosala kimia yango yo. On vit après la pluie, crache pas sur le beau temps. C'est planter l'avenir entre charnier et coltan. Énorme est le chantier, sommes-nous pas des titans? Des bulletins pris entre Occident et Orient. Résistant, l'espoir on se scarifie sur le torse. Au-delà de la foi, on sait notre sort au bout de la pioche. Des larmes en sueur au bout de la course. Bonjour fidèles téléspectateurs de la magazine La Voix de la Jeunesse africaine, présenté par votre humble serviteur jamaïcain Bachia. Tous les samedis à 10h30 et tous les mercredis à 11h30 pour la rediffusion sur Africa Télévision. Voja Ezali Magazine Oyo Ezako Mema, Mongongo ya jeunesse africaine, paix en particulier jeunesse congolaise na matoyi ya bakonzi. Po ete bakonzi bayoka makanisi na bango, paix ba préoccupation na bango. Nanzela ya Voja na bengisi ba association, na bengisi ba asbel, na bengisi ba personnalité sociale et politique oyo ba tchaka au centre ya ba activité na bango jeunesse congolaise. Na numéro na biso ya lelo, na bengisi moko ya ba candidat président de la République oyo azalaki na maponami oyo ewutaki kosalama le 30 décembre na kati ya mboka na biso Congo na kombo ya Ndeko Noël Chani. Bonjour Ndeko Noël Chani. Bonjour Ndeko. Elongo na ye tokolobela thème na biso oyo babengi jeunesse et le tribalisme. Yango nde mutu ezali thème na biso oyo tokolobela na mokolo ya lelo na Noël Chani. Mbote lisusu Noël Chani. Mbote. Motuna langa ya liboso ezali Ndeko Noël Chani. Lelo ba impression na yo ezali nini après maponami oyo elekani na mboka na biso le 30 décembre 2018. Ba impression na yo ezali nini? Oui, merci mingi pour ya opportunité on a m'adressé na peuple congolais, particulièrement donc la jeunesse congolaise. Comme vous venez de le dire, j'ai participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Malheureusement, je n'ai pas été élu. Il y a l'un de nous, Félix Antoine Tshisekedi, qui a gagné cette élection et qui a été proclamé par la CENI et qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Je pense qu'en tant que démocrate, en tant que personne qui voulons que notre pays aille de l'avant, il est tout à fait légitime que nous puissions tous nous incliner devant la reconfirmation donc, de ces résultats par la Cour constitutionnelle dans un état de droit. Donc, j'accepte mon échec dans cette élection et je félicite donc le président Félix Antoine Tshisekedi qui a gagné. Et je veux que tous les autres candidats, mais également toute la population congolaise, se mettent désormais derrière le président élu pour que nous puissions tous aller de l'avant. Mon impression était la bonne. Nous sommes dans une démocratie naissante. Il y a des choses qu'on aurait souhaité voir, mais qui n'ont pas pu être réalisées. Mais nous allons avoir dans l'avenir l'occasion de pouvoir nous améliorer en tant que pays. Quelles sont les choses que moi je pense n'ont pas marché correctement? Par exemple, il aurait fallu que la diaspora congolaise, qui est constituée de près de 9 millions de Congolais sur les 92 700 000 que nous sommes, cette diaspora congolaise n'a pas été enrôlée pour participer au choix des dirigeants du pays. Nous devons tout faire pour que dans l'avenir, la diaspora soit enrôlée à temps et qu'elle participe au choix des dirigeants. Deuxième imperfection que j'ai relevée, c'est le fait que nous avons une élection présidentielle où on a 700 partis et regroupements politiques, mais une élection à un seul tour. Ce n'est pas possible, le système actuel, de pouvoir tamisser et de sélectionner les meilleurs. Je pense que nous devons passer donc du système d'un seul tour à un système donc de deux tours pour qu'il y ait des éliminatoires en quelque sorte, pour qu'il y ait simplement deux personnes qui arrivent en finale, une personne représentant le parti au pouvoir et une personne représentant l'opposition. J'espère que nous allons modifier notre loi électorale pour que la prochaine élection
en 2023 puisse avoir donc deux tours. Troisième imperfection que j'ai constatée, j'ai trouvé l'absence de débats contradictoires entre candidats, quelque chose de ne pas très sérieux dans une démocratie. Nous avions 21 candidats. Il aurait fallu qu'on ait au moins 4 débats présidentiels sur la période donc, de la campagne électorale pour permettre aux Congolais de connaître leurs candidats, mais aussi de connaître donc, leur vision de développement pour le pays. Comme ça, le meilleur allait être sélectionné. Alors, je propose personnellement 4 débats. Un débat à Kinshasa, axé sur les questions politiques. Un débat à Lubumbashi, axé sur les questions économiques et minières. Un débat à Mbujimayi ou à Kananga, axé sur les questions sociales, de pauvreté, mais également un débat à l'Est, à Goma ou bien à Kisangani, axé sur les questions sécuritaires. Si on fait ces choses-là, je pense que notre démocratie va pouvoir passer donc à un niveau supérieur. Et enfin, je voudrais donc terminer par dire qu'une fois qu'on a proclamé les résultats, il est important que dans un état de droit, tout le monde, tous les candidats, toute la population congolaise accepte les résultats qui sont confirmés par la Cour constitutionnelle, parce que c'est la plus haute cour dans notre pays. Il n'y a aucune organisation à l'international qui aura le pouvoir de pouvoir décider pour les Congolais. On peut aller à l'organisation, à la Cour africaine donc des droits de l'homme, on a l'Organisation des Nations Unies, toutes ces choses-là, c'est une perte de temps. Nous allons pouvoir rester dans le cadre donc, de la RDC, que les institutions congolaises, que nous devons solidifier, consolider, que ces institutions aient le pouvoir de pouvoir décidé pour le peuple congolais. Merci, Tchani. Mais concernant ces débats dont vous faites allusion aujourd'hui, c'est comme si la RTNC avait donné un programme bien détaillé par rapport au débat qui devrait se passer dans notre chaîne nationale. Mais aujourd'hui, vous déplorez qu'il n'y a eu pas ces débats. Mais au juste. Non, il y a eu à la RTNC, et j'ai été invité, j'ai participé à cela. Il y a eu donc deux sessions. Une session où on nous a accordé 15 minutes pour faire un message à la nation. Où vous parlez, personne ne vous pose des questions. Et je l'ai fait. Une deuxième, et d'ailleurs le jour que je le faisais, il pleuvait. Donc les Congolais n'ont même pas suivi mon message parce qu'il y avait coupure d'électricité à travers toute la ville, à travers tout le pays. Deuxième opportunité qu'on m'a donnée, c'était de paraître devant 3 journalistes de la RTNC et aussi de la presse locale qui m'ont posé des questions pendant 90 minutes, questions axées sur ma vision de développement, sur les questions économiques, politiques, sécuritaires, culturelles, ainsi de suite. C'était une session utile, mais ce à quoi j'ai fait allusion, c'était un débat où on aurait devant les journalistes ou le comité d'organisation 3 ou 4 candidats, par exemple, qui se confrontent entre eux-mêmes, chacun présentant au peuple congolais ce qu'ils comptent pouvoir faire pour offrir donc à la RDC un meilleur cadre de vie que ce que nous avons aujourd'hui. Merci, Ndeko Noël Tchani. Mais aussi, nous avons vécu les élections dans notre pays. Nous avons déjà un président de la République élu. Mais maintenant, nous voulons savoir quel serait votre avenir politique après ces élections. Vous savez, moi, je ne suis pas un politicien. Je suis venu en politique par hasard parce que les politiciens ont échoué. Et je voudrais corriger ce qui n'a pas marché avec la gestion du pays par les politiciens. J'ai offert une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, que je pense, s'il était mis en œuvre ou si on le met en œuvre, nous allons sortir le Congo du sous-développement pour devenir pays émergent à l'espace de 15 ans. Nous allons sortir d'une situation où nous avons 85% de la population active au chômage, créer des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais. Nous allons sortir d'une situation où beaucoup de nos compatriotes n'ont pas accès à l'éducation et à la santé de qualité. On va créer la santé, l'éducation accessible donc à tous, et nous allons améliorer les conditions sociales de tout le monde parce que je comptais pouvoir introduire un système de salaire minimum garanti que j'ai établi à au moins 1 000 $ par mois payable à tous les fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires, les enseignants, les médecins, tout le monde qui travaille sur l'étendue du territoire national. Malheureusement, ma vision n'a pas été comprise par le peuple congolais. Ils ont choisi quelqu'un d'autre qui présente aussi une autre vision de développement. Je m'incline donc devant tout cela. Alors, quel est mon avenir politique aujourd'hui? Je me suis rendu disponible à mon pays, tant dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. J'espère qu'on va trouver un cadre pour que nous puissions continuer à contribuer aux efforts de développement du pays si le président actuel fait appel donc à nous dans un secteur tout comme dans l'autre. Mais si cela n'est pas le cas,
Rassurez-vous, je serai actif toujours aux côtés du peuple congolais, peut-être dans le privé, peut-être dans l'académie, peut-être dans le domaine donc, des organisations non gouvernementales et pourquoi pas sur le plan international d'où je suis venu. Vous savez, à vous entendre parler par rapport au salaire, ces salaires-là, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Est-ce que, M. Tiani, seriez-vous vraiment en mesure, avec tout ce que nous connaissons dans notre pays, de pouvoir donner aux Congolais un salaire ou aux fonctionnaires de 1000 dollars? Je ne sais pas. Vous êtes magicien. Je ne suis pas un magicien, mais je crois que les Congolais doivent réaliser que nous avons un grand pays avec beaucoup de ressources et que nous avons été mal gérés. Si nous gérons bien donc nos affaires intérieures, nous améliorons un système de gouvernance, nous combattons la corruption, nous récupérons l'argent qui nous est volé aujourd'hui, nous le mettons dans le trésor public, dans les caisses de l'État, nous serons en mesure d'avoir un budget plus costaud que ce que nous avons aujourd'hui et utiliser ce budget pour payer correctement les gens. Quelle est la situation que nous avons aujourd'hui? Je vous informe que le Congo a un répertoire de 1100 minéraux métaux précieux différents d'une valeur estimée chiffrée à Donc 1100 minéraux métaux précieux différents d'une valeur chiffrée à 38 000 milliards de dollars. Cet argent-là n'entre pas dans les caisses de l'État. Pourquoi ça n'entre pas dans les caisses de l'État? C'est à travers les mécanismes de corruption, prédation des ressources naturelles, des contrats sous la table, ainsi de suite. Là. Nous devons faire face à tout ça, combattre la corruption, la prédation des ressources naturelles, récupérer tout cet argent, le mettre dans les caisses de l'État, augmenter des budgets de 5,9 milliards de dollars aujourd'hui à environ 45 milliards de dollars par an en moyenne sur une période donc de 15 ans. Si nous avons ce budget costaud, nous serons à mesure donc de payer 1000 dollars de salaire minimum garanti à tous les fonctionnaires de l'État. Ce que je dis là, je ne rêve pas. C'est faisable, c'est réalisable. Je voudrais que les Congolais aient une idée de comparaison. Il y a un tableau qui compare les niveaux de vie de tous les citoyens du monde, qui est préparé par Index Mundi. Vous pouvez aller sur Internet, vous mettez PIB par habitant, classement des pays, Index Mundi. Et vous allez voir, ce tableau montre que le pays qui offre un PIB par habitant le plus élevé a environ 140 000 dollars par an. Et le Congo se trouve le dernier pays, littéralement, classé 224e sur 226 pays, avec un PIB par habitant de 458 dollars. Nous devons avoir honte de nous-mêmes, parce que nous avons tout plein de ressources naturelles que nous pouvons exploiter judicieusement au profit de tout notre peuple et arriver à réaliser un PIB par habitant beaucoup plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui. Si on arrive à réaliser ce PIB beaucoup plus élevé, on arrive à mobiliser des ressources pour augmenter donc notre budget. Payer 1000 dollars par an, payer 1000 dollars par mois comme salaire minimum garanti à tous ceux qui travaillent sur l'étendue du territoire national, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. Et je voudrais que les Congolais donc attendent. Nous allons voir donc le président que nous avons élu. Il a promis aussi donc un salaire minimum garanti. Et j'espère que nous allons donc l'aider pour qu'il puisse donc nous délivrer ce salaire minimum garanti qui permettra au peuple congolais donc de vivre mieux. Mais s'il n'arrive pas à le délivrer, eh bien, nous allons revenir donc avec les mêmes propositions, peut-être sous un cadre donc différent dans l'avenir. Merci Noël Tiani. Par rapport à la corruption qui gangrène notre milieu politique et aussi dans nos différentes sociétés, mais quelles recettes alliez-vous proposer pour que ce fléau de corruption puisse cesser? Pour combattre la corruption, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Nous devons concilier ce que nous disons et les actions que nous menons sur le terrain. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons de donner au peuple congolais, à tous ceux qui travaillent, un salaire minimum garanti de 1000 dollars. Ceci est destiné à rassurer tout le monde que quand vous travaillez, vous gagnez le fruit de votre travail, ce fruit de votre travail, votre salaire vous permettra de vivre sans souci, de vivre correctement, supporter votre famille, envoyer les enfants à l'école, avoir l'accès aux soins de santé, avoir une retraite bien préparée pour l'avenir. Je crois que ce salaire minimum va régler ça. Maintenant, parce qu'on vous donne donc le salaire qu'il faut pour vous permettre donc de bien vivre, on attend de vous aussi un certain comportement. Si vous arrivez à mettre la main dans les caisses de l'État ou à recevoir l'argent donc sous la table, il y aura un numéro de téléphone que tout le monde va appeler pour pouvoir dénoncer donc les corrompus. Une fois qu'on vous a dénoncé,
Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura des enquêtes qui seront menées. On ne va pas donc juste prendre les gens, les mettre au cachot. Une fois qu'on vous a, on a mené des enquêtes et on a trouvé qu'effectivement vous étiez corrompu, ce qu'on va faire, c'est vous amener devant la barre. La justice sera restructurée pour rendre la vraie justice, pour qu'il n'y ait pas donc du favoritisme, ainsi de suite là-bas. Alors, on vous amène devant la barre, on vous juge, on vous trouve coupable de corruption, on vous envoie en prison. Que vous ayez volé 50 dollars ou 1 milliard de dollars, vous serez puni de la même façon. On vous envoie en prison à Makala pendant de 5 à 25 ans. Et quand vous sortez de là, vous n'êtes plus autorisé à travailler dans l'administration publique. Vous ne pouvez plus occuper des fonctions dans l'administration, donc vous ne pouvez plus postuler pour des mandats électifs. Et surtout, vous ne pourrez plus jamais de la vie soumissionner pour les marchés publics, faire affaire avec l'État. Je pense que ces mesures sont très, très drastiques. Elles vont dissuader donc ceux qui sont corrompus à pouvoir avoir un comportement exemplaire. De cette façon-là, les gens auront peur et ne vont pas accepter de pouvoir sacrifier leur salaire minimum garanti de 1000 dollars pour aller en prison quand on les attrape. Noël Tchani, il y a aussi un problème, un fléau qui dérange aussi notre société. Il y a ce qu'on appelle les tribalismes. Mais avant cela, avant que nous puissions entrer dans le vif du tribalisme, je souhaiterais que vous puissiez nous éclaircir. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la méritocratie et le tribalisme, d'une manière très claire? Mais bien sûr qu'il y a une différence entre la méritocratie et le favoritisme, si je peux dire. La méritocratie consiste à quoi? La méritocratie consiste à pouvoir à permettre l'ascension sociale ou la promotion professionnelle basée sur le mérite. Quelqu'un qui fait un travail et qui fait son travail correctement, on lui donne des promotions parce qu'il mérite, il a fait le travail qu'il faut, il a toutes les qualifications. Le tribalisme, par contre, quand on a des gens qui travaillent et qui font le travail qu'il faut, on ne donne pas des promotions à ces gens-là basées sur le mérite, sur le professionnalisme. On prend quelqu'un qu'on va parachuter au-dessus de ceux qui travaillent correctement, on parachute cette personne-là parce qu'il vient de mon village, il vient de mon ethnie ou de ma province. Il ne mérite pas qu'il soit là-bas, mais on le met là-bas par faveur parce qu'il est lié à celui qui a le pouvoir de donner des promotions donc, aux gens. Je voudrais dénoncer ce système-là. Et je vais vous dire une chose, que ce système aboutit à la sous-utilisation des ressources humaines congolaises et on pénalise le pays. Pourquoi? Parce que quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas qualifié et vous lui donnez donc une fonction supérieur qui va lui donner plus d'argent, mais il va mater ceux qui sont qualifiés pour faire ce travail-là. Il décourage ceux qui devaient travailler et lui-même ne sera pas en mesure de donner, de faire le travail pour lequel il a été nommé. Par conséquent, c'est tout le monde qui perd. C'est ceux qui travaillent, les travailleurs qui sont pénalisés, c'est l'ensemble du pays parce que la productivité n'est pas là, mais enfin lui-même, la personne à qui on a fait la faveur, cette personne est perdante aussi. Pourquoi? Parce que elle ne saura pas justifier des promotions supérieures dans un environnement où celui qui lui a donné des faveurs n'est pas là pour pouvoir donc lui donner donc ce push-là. Par conséquent, moi je voudrais que nous puissions sérieusement combattre le tribalisme, donner à chaque Congolais l'occasion de pouvoir évoluer correctement dans la société, d'avoir accès à toutes les fonctions, à tous les postes, à toutes les promotions, à vivre correctement dans la société. Si nous le faisons, c'est notre pays qui va pouvoir gagner. J'ai même une idée assez révolutionnaire pour arriver à combattre le tribalisme. Parce que je trouve que le tribalisme congolais se base sur les noms des individus. Dès qu'on dit quelqu'un, on l'appelle Noël Tchani, les gens disent « Ah, son nom commence par TSH, ça sonne à peu près comme un nom qui, par exemple, comme Étienne Tshisekedi TSH, donc cette personne doit être donc du Kassai. » Et par conséquent, tous les autres qui sont des Kassaïens, ils pensent qu'ils doivent aller là-bas s'agglutiner derrière lui pour pouvoir donc bénéficier des faveurs. Et ceux qui ne sont pas des Kassaïens, parce qu'il va pouvoir donc discriminer contre eux. Je voudrais que nous puissions combattre cela. Je voudrais même proposer qu'on donne aux citoyens congolais des numéros matricules. Des numéros matricules, c'est-à-dire vous aurez un, au lieu d'avoir Noël Tchani, vous allez m'appeler numéro 15. Au lieu d'avoir donc mon compatriote ici, au lieu de l'appeler donc Makengo, vous allez l'appeler donc numéro 16. Au lieu d'avoir donc un troisième, on va aller jusqu'à 92 700 000. Et quand on va appeler chaque personne par un numéro matricule, il ne sera pas possible de pouvoir lier la personne à une province ou une ethnie. S'il faut le faire, je préfère qu'on le fasse parce que je crois sincèrement que le tribalisme est mauvais. Il aboutit à la sous-utilisation des ressources humaines. Il ne permet pas l'avancement donc de chacun de nous dans la société. Et surtout,
il ne permet pas donc au Congo de pouvoir se développer comme il se doit. Merci Noël Tchani. Donc en tout cas, remplacer des noms par des numéros matricules, oui, c'est aussi une idée. Mais est-ce que par là, nous n'avions pas enfreint une loi qui confère à tout citoyen les droits d'avoir un nom? Oui, bien sûr. J'ai donné cet exemple-là pour vous dire que je suis prêt à combattre le tribalisme par tous les moyens. On ne va pas remplacer les noms par les prénoms, mais il faut qu'on éduque la population pour qu'elle comprenne que le tribalisme est mauvais et que tous les citoyens congolais sont les mêmes et qu'ils ont droit aux mêmes facilités. Et surtout, je souhaiterais que les Congolais comprennent une chose, que quand vous êtes originaire d'une province, par exemple, vous êtes né dans l'Omami, vous avez droit de quitter l'Omami, d'aller vous installer à Tchouapo si vous souhaitez vivre là-bas, ou aller donc au Congo central, aller vivre là-bas. Celui du Congo central peut venir s'installer donc à Kananga ou dans le Kasaï central. C'est son pays. Chacun de nous doit être libre de faire ça. Je vous informe que moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant plusieurs décennies. En vivant aux États-Unis, ceux qui sont originaires donc du Maryland où j'habite, ils ont les mêmes droits que ceux qui viennent de la Californie, et ceux du Maryland peuvent quitter pour aller s'installer au Texas, du Texas aller s'installer donc au Nevada, ainsi de suite. Là, nous devons faire la même chose. C'est comme ça que les États-Unis avancent. C'est pourquoi? Parce que la meilleure personne, c'est la personne qui peut faire la distinction pour la société. On honore ceux qui travaillent correctement. Je voudrais d'ailleurs vous parler d'une expérience personnelle. Pendant la campagne présidentielle, j'ai bénéficié de l'assistance de notre gouvernement qui m'a donné 25 policiers pour assurer ma garde. J'avais peur des policiers au départ parce que j'ai entendu beaucoup des crimes qui sont commis par des policiers dans la ville. Je leur ai dit, mais vous êtes venus ici pour me protéger ou bien pour m'éliminer. Et j'ai trouvé qu'ils étaient gênés. Ce sont des compatriotes qui venaient de toutes les provinces. J'ai travaillé avec eux pendant 3 mois. À la fin, je les ai trouvés adorables. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai remis à chacun des policiers un brevet de mérite. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont protégé. Ils ont fait ce qu'ils étaient supposés faire. Et la police congolaise doit être fière de ça. On doit pouvoir donc les récompenser pour avoir fait leur mission comme il se devait. Si nous faisons la même chose dans tous les secteurs, je vous assure que ce Congo va aller de l'avant. Mais si nous jetons un peu un coup d'œil à l'époque du feu maréchal Mobutu, vous savez qu'à l'époque, c'était... Vous pouviez être gouverneur, par exemple, gouverneur du Kasaï, mais vous êtes originaire de Bandundu. Vous pouviez être gouverneur du Katanga, mais vous êtes originaire du Kivu, par exemple. Mais est-ce que si on faisait l'appel à cette manière de pouvoir placer des gouverneurs dans nos différentes provinces, est-ce que cela ne peut pas aussi résoudre ces problèmes du tribalisme? Je suis pour et contre ce système-là et je vais vous dire pourquoi. Je suis pour que chaque Congolais choisisse le lieu de résidence, là où il veut habiter. Si moi qui suis né dans la province de l'Omami, j'ai choisi de vivre à Kinshasa et qu'il y a des élections pour choisir le gouverneur de Kinshasa, en tant que résident de Kinshasa, j'ai le droit de me présenter pour être élu pour devenir gouverneur de la ville de Kinshasa. Si j'ai choisi, par exemple, d'aller vivre dans Tchouapo, dans l'ancienne province donc orientale, parce que je vis là-bas avec la population au jour le jour, je connais leurs problèmes, je peux me présenter donc aux élections, me faire élire, même si je suis né dans la province donc de l'Omami. Mais je ne suis pas d'accord qu'on prenne simplement des gens comme parachute. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied en Gandajika, on le met gouverneur donc de la Lomami. Il ne comprend pas donc la société, il ne connaît pas des gens et il n'a pas la sensibilité aux problèmes donc de cette région-là. Donc je suis pour qu'on ne puisse pas réserver les postes de gouverneur des provinces simplement aux autochtones, aux originaires donc de la province. Mais je suis pour qu'on puisse ouvrir ces postes-là à tous les citoyens congolais qui habitent la province, qu'ils soient nés dans la province ou qu'ils viennent d'ailleurs. Ils peuvent se présenter aux élections dans cette province-là et se faire élire. Monsieur Noël Tchani, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Mais seulement, je sais que quand vous étiez candidat président de la République, vous avez quand même été élu aussi par certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont porter leur voix sur vous, c'est-à-dire ils vous ont fait confiance par rapport à votre manière de communiquer, par rapport soit à votre projet de société que vous avez eu à exposer
à la population congolaise. Et aussi, surtout, que cette population, une grande partie, ce sont des jeunes. Mais aujourd'hui, quel est votre projet par rapport à cette jeunesse qui vous avez élu? Je voudrais dire d'abord merci à ceux qui avaient voté pour moi. Je sais que je n'ai pas fait la campagne comme il se devait. Je n'ai pas fait le tour de toutes les provinces. Il y avait certaines contraintes qui ont fait que je ne pouvais pas me déplacer donc d'ici, des contraintes sécuritaires surtout. Mais rassurez-vous, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC n'est pas mort. Nous avons ce plan et nous croyons fermement que le peuple congolais va apprendre à connaître cette vision de développement dans les détails et cette vision va nous sauver si on arrive donc à la mettre en œuvre. Et pour cela, pour les 5 prochaines années, ce que nous allons faire, c'est continuer à sensibiliser les gens, à leur faire connaître donc le contenu du plan. Et d'ailleurs, je vous informe que le mercredi prochain, le mercredi qui arrive, je vais animer une conférence donc, à la Maison de France dans le cadre donc, du Rotary Club. Je suis invité là-bas et je pense que la conférence commencera donc à midi. Ceux qui peuvent venir seraient donc les bienvenus parce que nous allons encore une fois de plus présenter le plan Marshall dans les détails. Et nous allons faire cela, non pas simplement ici à Kinshasa, on va aller dans des différentes communes, on va aller dans des différentes provinces à travers tout le pays pour que le peuple congolais et surtout la jeunesse congolaise réalise que cette vision, si on la maîtrise, si on s'en approprie et on arrive donc à la mettre en œuvre maintenant ou quelques temps donc dans l'avenir, cette vision va faire passer notre pays du groupe des pays sous-développés pour devenir pays émergent en l'espace de 15 ans. Et je souhaiterais que nous travaillions tous ensemble en tant que jeunesse, que nous travaillions tous ensemble en tant que peuple donc du même pays pour que cette vision puisse avoir le jour, pour que à la fin de la journée, le Congo devienne un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Quelle attitude pourriez-vous proposer à la jeunesse face aux acteurs politiques ou soit face à certaines personnes qui ont des propos qui nous poussent à la haine, qui nous poussent à des tendances un peu tribales? Quelle attitude pourriez-vous conseiller à la jeunesse d'aujourd'hui? J'ai suivi avec intérêt certaines déviations de langage faites par certains leaders politiques. Ce n'est pas parce qu'on est un leader politique qu'on peut se permettre n'importe quoi. On donne un mauvais exemple à la jeunesse. Je voudrais que la jeunesse soit non seulement regardante, mais qu'elle soit aussi très stricte dans le choix des futurs dirigeants. Vous nous connaissez tous. Vous connaissez des gens qui ont géré ce pays et qui ont mis notre pays donc à genoux. Quand vous voyez les mêmes personnes venir aujourd'hui essayer de vous inciter à la haine tribale, je pense que vous devez les sanctionner sérieusement. La meilleure façon de les sanctionner, c'est d'attendre le tour des élections pour ne pas voter pour eux. Nous sommes un grand pays, nous pouvons devenir un grand pays, un pays beaucoup plus grand que ce que nous sommes aujourd'hui, si on arrive à mobiliser toute la population congolaise et on travaille donc en paix, en sécurité. J'étais très indigné donc d'entendre des propos donc du genre que on va créer l'insécurité, on va organiser des manifestations à travers tout le territoire national, créer l'insécurité et l'instabilité politique de façon à faire fuir des investisseurs étrangers. Mais si on fait fuir des investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'on réalise en réalité? On réalise la création du chômage. Parce que s'il n'y a pas d'investissement, on ne peut pas créer des emplois et c'est la jeunesse, c'est la population congolaise qui serait donc pénalisée. Je pense que des leaders qui tiennent de tels langages, il faut les mettre donc en garde que s'ils continuent donc à parler de cette façon-là, ils n'ont pas d'avenir politique donc dans ce pays-ci. Moi, je vous dis une chose, je n'ai jamais participé à la mauvaise gouvernance du passé. Je n'ai jamais été impliqué dans la corruption, dans la prédation des ressources naturelles, dans les détournements des fonds publics, dans les assassinats, dans les fosses communes et tout ce que nous avons connu qui a cloué notre pays donc au sol. Je voudrais que vous puissiez regarder sérieusement des gens comme moi pour l'avenir de ce pays parce que comme vous, je veux que le Congo puisse décoller et devienne donc un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. En tout cas, merci Noël Tchani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Bandeko Balandi, émission Nabiso Voja, la voix de la jeunesse africaine, magazine Nabiso. Tokomi na suka ya magazine Nabiso Penza, mais kasi tosengi naba oyonyo so bako souhaiter ko leka na magazine Nabiso, po magazine Nabiso e fongoli ba porte na yango naba Asbel, naba association, naba personnalité politique, paix sociale, oyo bazali na message. Soit Makanisi, il y a
kotalisa na ba na jeunesse na biso bokoki ko contacter biso na ba numéro na biso oyo ezali juste na ba ya ikan bokoki ko komela biso sur WhatsApp bokoki soit ko benga ou soit ko aimer page na biso Facebook oyo ezala kombo ya la voix de la jeunesse congolaise oyo ezana logo ya Voja donc bokoki ko aimer page na biso wana pe botika ba suggestion na bino soit ba mituna na bino bolingi totuna ba invité na biso en tout cas pour na mokolo ya lelo to suki ya to mona ni semaine prochaine merci nakima yango yo ngonga ko sala kimya yango yo ngonga ko sala kimya yango yo boko yo bongo ngonga ko sala kimya yango yo ngonga ko sala kimya yango yo ngonga ko sala kimya yango yo on vit après la pluie. Crache pas sur le poton. C'est planter l'avenir entre charnier et coltan. Énorme est le chantier, sommes-nous pas des titans.